la mémoire de Joe Spinell. Une vraie saleté de fils de pute. Ouais, c'est un rien du tout. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Il n'arrivera sûrement jamais à retourner aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Autorisation de monter à bord. Permission accordée. Je souhaite voir votre capitaine. Voulez-vous une escorte? Non, merci. Thank you.
Bon sang, mais qui est là? Allez, le caïd, sort de là. Attention, appel sécurité. Tout l'équipage au poste de combat. Un intrus est à bord. Les armées, ordre de tirer à vue. Soyez vigilants. Allez, 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 plus vite, ça. Prends ça! M'engueule pas, t'as compris? D'accord! Comment ça, on l'a perdu? Qu'est-ce que tu veux dire? Mustapha Ahmed, on l'a perdu. Écoute, Miles, je ne suis pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui, figure-toi. Je sors juste de chez mon dentiste. Ce type était détenu sur un bateau de guerre. Je vois pas comment on aurait pu le perdre. Quelqu'un l'a fait sortir. On l'a fait sortir? Combien était-il, Miles? Un seul, ton vieil ami Williams. Écoute, il a fallu 3 années à 3 agences pour réussir à attraper ce salopard. Alors tu vas pas me dire qu'on l'a perdu? Et il n'a fallu que 5 minutes à Williams pour le faire sortir. Alors faut mettre la main sur Williams. Et tu veux t'y prendre comment? Comment je veux m'y prendre? On met l'homme qu'il faut pour ce travail pigé. Alors enlève vite ton gros derrière de mon bureau. Très bien, très bien.
Bière et gin. Tout de suite, monsieur. Merci. Je voudrais un double bourbon sans glace. Bien. Merci. Dis donc, chérie, je crois que tu devrais boire un petit coup avec moi. Et tu veux que je t'offre un verre, c'est ça? Ouais. Tiens, c'est ma tournée. Il y a quelque chose qui te fait rire, mec? Dis, je te cause trop du cul. Oh, t'as un problème, face de rat? Réponds! Non, non. J'en suis pas si sûr. C'est la tournée du patron. Oh, merci. Et j'offre un verre à ce monsieur. Il n'a qu'à choisir ce qu'il veut. Un coup de gnôle. Vous êtes rudement galant? Ça m'arrive, oui. Buvons à la galanterie. Et à notre rencontre. Je m'appelle Cory Parker. Thompson. Mike Thompson. La nature vous a plutôt gâté, monsieur Thompson. Merci, vous n'êtes pas trop mal, vous non plus. Merci, c'est gentil. Allô, c'est vous, Cory? Oui, c'est moi. Allô? Oui. Entendu. J'arrive tout de suite. Oui, je l'ai avec moi. D'accord, merci. Salut. Mauvaise nouvelle? C'est le moins qu'on puisse dire. Dites, ça vous ennuierait pas de m'accompagner à ma voiture? On sait jamais, cet idiot pourrait encore m'embêter. Pas de problème. Surveillez bien mon verre. Voilà, on ne risque plus rien maintenant. Merci encore, Thompson. Dans un bar, tout près de chez moi. Monsieur Thompson, est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Eh bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez savoir? La vérité ou ce que j'ai l'intention de faire? Bien dur d'oreille en ce moment. J'ai peur que vous soyez obligé de causer un peu plus fort. Est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous
connaissez cet homme? Je l'ai jamais vu de ma vie. Parlez plus fort, monsieur Thompson. J'ai dit que je l'avais jamais vu de ma vie. Est-ce que vous allez arrêter de me balancer ce truc de merde dans les oreilles? Je voudrais bien savoir ce que je fais ici. Thompson, est-ce que vous m'entendez? Hanson? Hanson, t'es qu'un fils de pute. Si tu voulais me voir, t'avais qu'à me téléphoner. Je suis dans l'annuaire. C'est bien pratique. Je sais que t'es dans l'annuaire, Trésor, mais tu as toujours refusé de coopérer. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une mission pour toi. Ah, désolé, hein, je fais plus ce genre de boulot. D'abord, je te demande de m'écouter. Je ne fais que ça. L'homme qui est sur la photo, c'est Mustapha Ahmed, le terroriste le plus recherché de la planète. Jusqu'à ce matin, nous le tenions enfermé, il s'est échappé. Alors ce qu'on te demande... Pas question. Compte pas sur moi. Le type qui l'a fait s'enfuir est un de tes vieux copains, Thompson. C'est quoi le contrat? Le contrat, c'est que tu nous conduises à Williams. Et Williams nous conduira à Mustapha. Et qu'est-ce que vous me donnez? On te laisse Williams, évidemment. Compte sur moi. Un conseil, laisse-moi sortir de cette foutue chaise avant que je change d'avis, bordel. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Non. Assure-toi bien que tes hommes ne perdent pas sa trace. Entendu. Charmant chez vous, dites donc. Ravi de vous voir. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Williams. Je suis là pour avoir mon argent. Vous étiez très impressionnant ce matin, monsieur Williams. Cette âme que vous avez est tout à fait remarquable. Comment est-ce que vous vous l'êtes procurée? C'est un exemplaire unique. Et il n'est pas à vendre. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Nous aimerions encore une fois louer vos services, monsieur Williams. Pourquoi faire? Je souhaite que vous m'aidiez à kidnapper le général Alexander Reed. On vous a enfermé en prison bien trop longtemps, mon vieux. Reed est un général à 4 étoiles. Vous voulez qu'on pénètre sur une base, qu'on lui colle une arme sous le nez en lui proposant de faire un tour avec nous? Êtes-vous en train de dire que vous refusez? Vous connaissez le proverbe, plus il y a d'argent en cause, plus la connerie marche. Il y aura $1 million américains à la clé, rien que pour vous. Là, il y a de l'argent en cause. Alors, vous acceptez? Ils ne sauront jamais qui leur a tiré dessus. Thank you.
le flanc gauche et j'avance au milieu. Allez vous faire foutre, mon lieutenant. C'est un ordre, sergent. Si ça vous plaît de passer pour un foutu héros à la con avec votre belle mitraillette toute neuve, allez-y, moi je reste ici. Passe-moi une autre pierre, chérie. Ah, d'accord. Oh, Seigneur. Hé, hey, papy, ta femme au téléphone. Dis à cette vieille peau que je suis au Mexique, tu veux? T'es là, papy? Et qui êtes-vous? Eh, doucement, dis donc, je suis un ami de papy. Hé, hey, papy, là de la compagnie. Comment ça va? T'aurais dû mettre ton maillot. Mais une petite bière, ça te dirait? Bonne idée. Ah, donne-moi encore une bière, chérie. Allez, je te laisse choisir celle que tu préfères. Non, une autre fois, papy. Il faut qu'on discute. C'est urgent? Très urgent. Et quand papy chéri reviendra, on recommencera à faire notre petite trompette. Alors, qu'est-ce qui t'amène? La dernière fois que je t'ai vu, tu te retirais des affaires. Oui, je l'ai fait. Et pour toi? Tu travailles toujours pour les deux côtés? Non, je deviens trop vieux pour ce genre de truc. J'ai laissé tomber ça depuis un an. Papy, ton ex-femme, elle dit que si tu veux pas la prendre au téléphone, elle vient ici illico et qu'elle va démolir la baraque. Dis-lui que je suis toujours pas revenu du Mexique. Entendu, papy. Cette femme est une spécialiste des menaces. Est-ce qu'elle te plaît, cette bière? Parfait. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que tu viennes interrompre mon sport favori de l'après-midi, hein? Dis-moi. J'ai besoin de ton aide, papy. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Cette fois-ci, c'est Williams. Il faut que tu m'aides à le retrouver. Ce salaud me doit la bagatelle de 20 000 dollars, figure-toi. Va donc voir à cet endroit, ça a été longtemps une de ses planques. Moi, je m'occupe de faire passer le mot que tu as à sa recherche. Merci, papy. Je te revendrai ça. Ne me remercie pas. Fous le camp d'ici en vitesse et laisse-moi retourner à mon sport préféré. Je t'appellerai ce soir. Merci encore, papy. Je t'en foutrais du
Mexico. Oh merde! Ah, tu te baignes plus? Petit changement de programme. C'est quoi ici? Enfin, papy, c'est une boutique de glace. Je vois pas bien ce que ficherait Williams dans une boutique de glace. Mmh, on y trouve les glaces les plus délicieuses de toute la ville. Tu n'as qu'à entrer et tu demanderas au hasard trois parfums avec une cerise par-dessus. Bon, j'y vais. Dis donc, Mike, c'est dommage, mais en ce moment, je suis un peu juste, comme on dit. T'es un ami et j'aurais besoin que tu me passes 20 dollars. Merci, Mike. Bonjour, et pour monsieur, ce sera quoi? Donnez-moi trois parfums avec une cerise dessus, s'il vous plaît. Est-ce que vous en voulez une dure ou molle? C'est-à-dire? La glace, plutôt molle ou dure? Dure. Si vous ne trouvez rien à votre goût là-bas, vous demandez pistache? Pistache? C'est moi. Chocolat menthe. Très beau surnom. J'ai du mal à réaliser. Bienvenue au Banana Split. Moi, c'est Mike. Tu peux choisir ce que tu veux parmi les 24 parfums. Tous sont interchangeables. Une seule exception, Rock. Caramel fondant. Elle vaut 200 dollars de plus que les autres. Si tu veux les voir, tu me demandes, moi je les appelle. Non, non, merci. Non, tu feras l'affaire. Écoute, j'ai un vieil ami qui répond au nom d'Eddie Williams. Il traînait dans le coin. Non, je le connais pas. Réfléchis bien. Depuis quand tu n'as pas revu Williams? Écoute, mon chou, des ennuis, j'en ai eu suffisamment. Et par expérience avec lui, les ennuis rappliquent. Il est venu il y a à peu près un mois. Il m'a laissé un petit souvenir. Tu veux en voir plus? Non. Je sais bien de quoi il est capable. Ben quoi, il n'y a aucun mal à se renseigner. J'ai l'intuition qu'il y a un truc qui va pas très bien par ici. Pourquoi tu cherches Eddie Williams? On a la fête annuelle de la paroisse qui doit avoir lieu dimanche prochain. Alors, je voudrais pas qu'il manque ça. Dis donc, toi, t'es un petit marrant. Cisso, réponds-moi, sale merdeux. Pourquoi cherches-tu Eddie Williams? Va te faire foutre. Casse-lui le cou.
Tu m'entends, salopard? Je veux savoir où est Williams. Désolé, je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu verrais mieux si je t'enfonçais ce crayon dans l'œil droit? Dis-moi. Bon, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller voir Eddie Williams. Et tu diras à ce fils de pute que Mike Thompson voudrait bien un rendez-vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, d'accord. Alors, ça marche? On verra. Nom de Dieu, il a pas l'air en forme, celui-là. Il a besoin de repos. Oh. Très bien, Mike. À demain matin. J'espère que vous n'avez pas utilisé toute mon eau chaude. C'est une habitude de surprendre les femmes nues qui sortent du bain. C'est une habitude d'entrer comme ça chez des hommes que vous ne connaissez pas et d'utiliser leur salle de bain. J'étais sur la route pour venir ici et ma bagnole est tombée en panne. Il a fallu que je fasse 3 km à pied et que je vous attende pendant 1 heure. Moi qui pensais vous faire une surprise. Désolée. Désolée? D'abord, vous me levez dans un bar. Après ça, je suis enlevé et interrogé. Et puis, vous pénétrez chez moi et vous vous servez de ma salle de bain. Oh non, ma chère, c'est moi qui devrais être désolée. Je regrette de m'être levée ce matin. Mike, Mike, je vais tout vous expliquer. Mike, écoutez-moi. Expliquez quoi? Tout ça me paraît suffisamment clair. Je vous assure, je ne savais pas ce qui allait vous arriver. Moi, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Guidée par l'association. Vraiment, je suis désolée. Bon, ça, c'est votre travail. Mais vous cherchez qui exactement? Mustapha. Il a tué mon compagnon. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un type qui est venu, il nous a cassé la figure. Qui ça? Il a dit qu'il s'appelait Thompson. Mike Thompson. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Mike Thompson. Non. Non, c'est impossible. Je le sais. Il est mort. Suivez-moi. Je vais t'aider. Tu sais, c'était rudement bon. Hein? Où est-ce que t'as appris à cuisiner aussi bien? Je faisais beaucoup la cuisine pour ma femme et mon fils. Hein?
Tu es divorcé? Non. Je suis veuf. Je crois que j'ai besoin de boire quelque chose. Mon fils vit chez sa grand-mère. La justice a décidé que j'étais pas un père convenable. Tu sais, quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, on a vraiment l'impression que la douleur s'arrêtera jamais. Ton compagnon? Écoute-moi, vieux, t'es cinglé ou quoi? Je viens de t'expliquer qu'elle m'a tiré dessus et qu'elle a failli me tuer. Eh, dis donc, je ne sais pas ce que t'as ce soir, mais j'ai pas l'habitude qu'on se foute de ma gueule. Cette femme-là, c'est une menace permanente. Dites-donc, les gars, on vous a pas appris à frapper? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Il n'y a pas assez longtemps, si tu veux, mon avis. Qu'est-ce qui te fait sortir de ton trou tout à coup? C'est à cause des 20 000 dollars que tu me dois? C'est pas une visite de courtoisie, on ne discute pas à faire. Alors allons-y, faisons salon. On m'a dit que notre vieil ami Mike Thompson était encore en vie. En fait, mes gars m'ont raconté qu'ils ont eu une bagarre avec lui aujourd'hui. Tu peux m'en dire un peu plus, papy? Il est vivant, oui ou non? Peut-être bien ou peut-être pas. Ça se pourrait. Je veux le savoir, papy. Je veux le savoir maintenant. Va te faire foutre. On va utiliser la manière forte. Faites-lui la peau. D'ici quelques minutes, on va découvrir tous ensemble si on est attendu au paradis ou en enfer. T'es toujours passé pour un dingue et un salopard, papy. Je le suis encore. Maintenant, foutez le camp de chez moi et en vitesse. On se reverra bientôt, papy. Très bientôt. J'attends ça avec impatience. L'oiseau est en vol, je répète. L'oiseau est en vol.
Ahmed. Ahmed. Williams? Tu ne peux pas le tuer. Tu vas la fermer. Il a toujours été meilleur que toi. Je t'ai dit de fermer ta gueule. Difficile de tuer sa propre peur, hein, Eddie? Thompson, tu es mort! Tu ne peux pas échapper à toi-même. Il est temps de payer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Ça ne va pas? Thompson est vivant, j'en suis sûr. T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que j'essayais de te dire? Dehors! Va me chercher cette espèce de salopard! Et détonne pas, sinon je vais t'arracher le dernier œil qui te reste! Ah! Bonjour, papy. Hé, hey, t'es pas matinal, t'as fait la fête cette nuit? Tu veux une bière? Non, non, merci, pasteur. Pas de neuf? Eh bien, ton ami William s'est venu me rendre visite hier soir. Toujours aussi laid. Ça, je m'en doutais. Il a l'air un peu contrarié que tu sois encore en vie. C'est curieux. Ça, je m'en doutais aussi. Mmh. Quoi d'autre? Papy. Quoi? Tu leur dis rien à propos de Williams. Oh, mais de toute façon, je ne suis au courant de rien. Bonjour, Cory. T'es parti très vite hier soir. Je voulais pas t'embêter. Tu sais, on a eu des nouvelles de Williams. Ah ouais?
On connaît l'endroit où il se cache et on est presque sûr que Mustapha s'y trouve aussi. Ah, bonne nouvelle. J'ai peur que vous soyez un peu déçus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'iras pas. Pardon? Je vous explique clairement, Thompson. Votre participation dans cette opération vient juste de prendre fin. On avait un contrat. Je récupère Williams. Ah, vous l'aurez. D'ici 20 ans environ. Allons-y, Parker. On n'a pas que ça à faire. Oui, j'arrive tout de suite. Je savais pas. C'est une habitude chez toi de ne rien savoir. En tout cas, la nuit dernière, je me sentais bien avec toi. Ouais. Ouais. T'as eu une prime pour coucher avec moi? Tu te débrouilles aussi bien que moi avec les femmes, on dirait. Fais-moi plaisir, papy. Oui, chef. Tu la fermes. Dis donc, Parker, je croyais que tu voulais pas tomber amoureuse dans le boulot. Je vois pas ce que tu lui trouves à ce jeune puceau. C'est un salopard, de toute façon. Tu fais chier, Miles! Monsieur Williams? C'était bien nécessaire? C'est une arme autoprotégée, je vous le rappelle. Vous appuyez sur la détente, qu'elle soit chargée ou pas. Si vous n'entrez pas le bon code, elle explose en tuant moi, vous et toute l'opération. Est-ce que vous réalisez? Allez, relève-toi. Slama, venez. Il faut préparer notre surprise partie pour le général Reed. Tout de suite. Putain de sauvage du désert. Hey, patron, regardez ce qu'on a pour eux. Tiens, Miss Parker, on se retrouve. Qui est cette fille? Cory Parker. C'est Ya, la seule à avoir été responsable de ma capture. Et c'est pas tout, patron. Cette jeune dame est la petite copine de Thompson. C'est bien vrai, ça?
La petite amie de Mike Thompson. Vous êtes en progrès, les gars, je vous félicite. Venez, on s'occupera d'elle plus tard. Il faut qu'on respecte notre horaire impérativement. On n'est pas si pressé. Je ne comprends pas. J'ai bien peur qu'il faille envisager de changer nos plans. Il n'y aura pas de changement. On s'en va. J'ai quelque chose d'important à faire. Vous n'êtes pas de mon avis? Je suis sûr que si. Ce que je viens de dire vous pose un problème? Conduisez-la à l'intérieur. Raspalla. Oui? Ce qu'on m'a dit est juste. Williams. Durant tout ce temps, je t'ai cru mort et enterré. Désolé, je suis vivant, camarade. Même si ça t'ennuie. C'est pas grave, Thompson. C'est pas grave du tout. C'est pour ça que j'ai voulu t'appeler au téléphone. Où tu veux en venir? J'ai ta petite amie à mes côtés, Thompson. Une très jolie petite chose, dis donc. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, tu le sais très bien. Je veux ta peau. T'entends? Sa vie contre ta vie. Laisse-moi lui parler. Tu as 20 secondes. Mike. Est-ce que ça va? Ne cède pas, Mike, cède pas! À toi de jouer, Mike Thompson. Où et quand? Réponds. Ne tente rien de stupide où la fille laissera sa peau. Dis-moi. Aide-moi, papy. J'ai un vieux compte à régler. T'en vas où comme ça, Thompson? À la chasse au gibier. Ça t'ennuie que mes gars et moi on t'accompagne? On a fait un deal, tu l'as pas tenu. Alors tu t'écartes de mon chemin. Détends-toi, vieux. Allez, calme-toi. Au lieu d'aller voir Williams, tu vas passer la marche arrière. J'ai tout mon temps, j'ai la journée devant moi. Entendu. Il a Cory et il me veut moi. On va faire un échange. Ah, voilà, on a avancé, sauf que j'aimerais qu'on avance dans une autre direction. Évitons les conneries, Hanson. Cory risque d'y rester. Ne me menace pas, connard. Cette fille est un agent, elle connaît les risques. Bon, vous allez aller où vous voulez, comme vous voulez. Mes hommes vont vous suivre tout du long. Mais si vous refusez de coopérer, n'hésiterez pas à vous foutre en prison l'un et l'autre. Et toi, papy, tu ne pourras pas l'aider beaucoup une fois là-bas. Cette fois, sans aucun doute, il a marqué un point. Je te félicite pour ta sagesse, papy. D'accord. On fait comme vous dites. Exactement, Mike.
quand vous avez Thompson, vous virez cette putain. Je m'en réjouis d'avance. Ça devrait aller. Bon, les gars, vous connaissez la routine. Tout le monde dans la camionnette. Après l'échange, une fois que vous êtes fixé sur l'endroit où il se trouve, vous balancez à Paul un signal radio. Et on vous appellera d'ici, c'est clair? Et toi, Thompson, ne fais pas tout rater. Sinon, tu peux être certain que tes 20 prochaines années, tu les passeras à la prison fédérale, compris? Eh oui. Pourquoi est-ce que ça te fait rire, jeune con? Tire-toi. Papi, pourquoi tu vas pas derrière voir si nos amis sont installés confortablement? J'y vais tout de suite, chef. Bien joué, papy. Oui, je n'ai fait qu'encourager trois jeunes chiots à se battre dans l'herbe. Salut, tête de nœud. Laissez sortir la fille. Elle avance là-bas, et toi tu t'amènes par ici. À toi de jouer. Allez, vas-y, baille-toi. Ça va. Merci. J'ai fait tout le boulot et tu récupères les honneurs. Merci, papy. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Belle journée, n'est-ce pas? Où est Williams? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Fais bien attention, j'ai pas envie de le répéter deux fois. Tu nous dis où est Williams ou je te fais un autre trou dans le genou. Si je te le dis, il va me tuer. Ça, je m'en fous complètement. Bon, d'accord, mec, je vais te le dire. Bon, on y va. Papy, tu restes avec elle.
Moi, je vais aller m'occuper de Mustapha. Mike va pas être content. Marche à tous les coups. Prévenir qu'il avait un engin pareil. Mais où est Cory? J'en sais rien. Thompson! Thompson! Bon Dieu, Mike, avec l'arme qu'il a, on n'a pas intérêt à jouer au con. Eddie. Eddie.
Tu as peur de lui, Heidi? Tu as peur? Non! Je suis ta propre peur, Eddie. Et je mourrai quand tu mourras. Inutile de chercher à t'en aller. Femme sans cervelle, si on me met en prison une fois de plus, je vais m'échapper. Une fois de plus. Non, pas cette fois-ci. Regarde. Tu vas mourir lentement. Très. Très lentement. Je vais te découper avec ça. Centimètre par centimètre. Tu vois ce joli couteau? Enfin, tu vas le rejoindre. Oh! Oh. 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 C'était pour lui. Ça, c'est de ma part. Williams, relève-toi, Williams. J'ai dit debout! Tu n'iras pas aussi facilement. Tu vas attendre encore. J'attends ce moment depuis si longtemps. Je ne suis pas pressé. Thank you.
t'aime, tu sais. Thompson! Encore lui? Je t'aurai, Thompson! Je t'aurai! Vite! T'as changé le code! Viens, papy, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est les clés de la Porsche de Williams, pour compenser les 20 000 dollars qui te devaient. Ah, bien, puisque bon Dieu t'en être reconnaissant. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, je crois bien qu'il est temps que je me retire des affaires. Oui, moi aussi. Et toi, papy? J'ai toujours voulu pratiquer la lutte. Il est temps que je m'y mette. Down on the shore, down on the shore.
the shack and jam all night long, drinking and dancing to a rock and roll song. Five minutes song and a tank of gas. Come on, baby, going down to the shack. Up to burn the night away. In the heart of the heartland, one more day. Headline lies in the small town news. From the sidewalk scenes to backyard blues. So come on. Between the edge of time and the front porch screen, well, you can hear tomorrow and the baby's cry as the sun goes down on a day gone.